Vous voyez, bonjour, bonjour d'abord, bon après-midi plutôt. Depuis un certain temps, je vous ai dit que c'est moi qui mène le jeu. Certains n'ont pas cru. Et vous avez eu maintenant la preuve hier. C'est moi qui mène le jeu. J'ai fait une vidéo hier. Il y a eu plus de 3000 commentaires. Tous les 3000 commentaires parlaient de mes cheveux. Et non du sujet. C'est moi qui mène le jeu. Ce matin, j'ai fait une vidéo d'une minute 18 secondes. Je n'ai pratiquement rien dit. J'ai dit simplement que j'ai changé de coiffure. Point. Une minute 18 secondes. 3 heures plus tard, j'étais à 21 000 vues. Vous voyez, c'est moi qui mène le jeu. Quand j'ai dit paye, voilà, vous pouvez parler de ça. En fait, c'est pour prouver que si les gens se taisent, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire sur moi. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de parler. Hein. Hier, quand j'ai mis cheveux là, vous avez vu, non? Les gens sont sortis à désordre. Oh, voilà! Il a mis cheveux. Ils ont pris des. C'est pour dire que c'est moi qui contrôle le jeu. Donc, si vous voyez les gens qui se sont tués, c'est qu'ils n'ont rien à dire sur Bob Lee. Parce que s'ils avaient ne serait-ce qu'un petit truc à dire sur Bob Lee, ils allaient exploiter cela. Je suis monsieur propre. Trop propre. On n'a rien à dire sur moi. Je ne suis pas alcoolique. Je ne suis pas drogué. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas voleur. Je suis propre et élégant. Je dégage du charme incomparable. Les gens n'ont rien à dire. Cela fait toutes ces qualités-là. Je suis honnête. Je dis haut ce que les gens pensent bas. J'ai peur de personne. Personne ne m'effraie. J'assume ce que je fais et ce que je dis. Ça effraie. Ça effraie. Et je fais exprès. Et cette année 2023, là, je vais vous aligner les buzz. En fait, je vais faire des choses que vous allez prendre pour faire votre blogging. Vous savez que moi, je ne suis pas genre organisateur de buzz. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Vous savez très bien. Je ne suis pas organisateur de buzz. Mais cette année-là, j'ai décidé de vous servir pour que vous fassiez du buzz. Pour que vous ayez au moins des choses à dire sur moi. Parce que vous n'avez rien à dire sur moi et ça me dérange. Chaque fois que je vous prends un, deux, trois, je vous malmène. Après, vous allez prendre torche, c'est pour chercher ma maman. Vous me laissez, vous cherchez ma maman. Parce que vous n'avez rien à dire sur moi. Un, deux, trois, vous me laissez, vous allez chercher la maman de Naël. Parce que vous n'avez rien à dire sur moi. Vous voyez, c'est comme ça y est. Et pourtant, quand moi je vous prends, c'est vous que je prends. Vous, vos responsabilités. Et c'est ce que je prends. Par exemple, quand je parle de 100 visages,
Je n'ai jamais insulté l'enfant de 100 visages. Jamais. J'ai dit que ça fait pitié de laisser une petite fille comme ça amener des gros gaillards, des blancs, la violer, la doigter. Alors qu'on se dit, mais quelle mère qui osera dire à ses clients, parce qu'elle est prostituée, dire à ses clients de la doigter pour qu'elle prenne l'argent. Ça, c'est de l'animosité, c'est de l'immoralité. Ça, c'est des choses qu'on veut bannir de notre société. Malheureusement, ça existe encore. Malheureusement, on n'a pas le choix. Je pleure cette fille. Et quand je pleure, la fille, on dit non, ne parle pas de sa fille. Mais je dois parler du mal. Comment vous ne voulez pas que je parle de la fille? La fille souffre. Même si elle ne pleure pas, même si elle ne le fait pas sentir. Parce qu'elle est enfant. Elle est encore enfant. Quand elle va grandir, vous allez voir que cette fille va faire du traumatisme. Cette fille, elle est en train de traverser des choses. Mais vous ne pouvez pas la comprendre parce que vous n'êtes pas dans sa peau. Et tout est comme... C'est que le monde avance comme si tout va bien. Et il n'y a personne pour essayer d'aider cette fille. Vous qui êtes au pays surtout. Personne pour enlever cette fille. Le monsieur qui l'a drôlé. D'abord, avant les clients de sa mère, c'est le petit frère de sa mère qui violait la petite. Jusqu'à ce que le sang sorte. Jusqu'à ce que le sang sorte. Et ce même petit frère qui violait la petite, avant que la mère elle-même ne donne la petite à ses clients, ce même petit frère, il est au village là-bas avec la fille, avec la petite fille. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que parents. On ne peut pas incomber cette responsabilité à quelqu'un d'autre, à un oncle, à un cousin, à un neveu, à une tante. Non, nous, en tant que parents, c'est notre responsabilité. Mais pire, c'est que cette petite a le droit de connaître son père. Jusqu'à aujourd'hui, l'âge qu'elle a, je ne sais même plus, je ne me souviens plus. L'âge qu'elle a, elle ne connaît pas encore son père. Parce que son père, parce que sa grossesse est le fruit d'une partouze. Une partouze de prostituée. Une prostituée qui est allée à une partouze et qui est tombée enceinte. Parce que ne voulant pas rater l'argent, elle est quand même partie sachant qu'elle était indisposée. Au lieu d'exiger un préservatif pour éviter ce truc, ce genre de truc non désiré, non. Puisqu'on lui a proposé de l'argent pour un travail non préservé, alors elle a accepté et elle a pris la grossesse. Elle a tout fait pour enlever, d'après ses propres dits, elle a tout fait pour enlever la grossesse qu'elle ne voulait pas. Mais comme Dieu est grand, la grossesse a persisté, insisté dans le ventre jusqu'à ce que cette petite naisse. Cette petite, elle est innocente. Elle n'a rien fait à ce monde. Cette petite n'a rien fait à ce monde et elle ne doit rien à ce monde. Mais regardez ce qu'elle subit. Est-ce qu'elle mérite ça? Vous-même qui êtes là, qui regardez cette vidéo, dites-moi, si cette petite mérite cette vie-là, dans un village, avec une grand-mère et son violeur, dans la même maison, ne sachant pas qui est son père, et où il se trouve. Alors que son père, certainement, se trouve quelque chose. Parce qu'un spermatozoïde, malheureusement, n'appartient pas à 2, 3, 4, 5 personnes. Et qu'il y a 4, 5 personnes qui ont couché avec la maman ce jour-là, à la même heure, la même minute. Et elle ne sait plus, elle ne peut pas donner. Et puis, c'est les clients même qu'elle ne connaît pas. Ils lui ont donné l'argent, ils ont disparu. Elle ne connaît même pas chez eux, elle ne connaît pas leur numéro de téléphone, elle ne connaît pas leur nom. Et cette petite va en souffrir plus tard. C'est ça! Les conséquences de vos bavures. C'est ça, les conséquences de votre irresponsabilité. Nous sommes responsables des engagements que nous prenons vis-à-vis de notre société. C'est-à-dire que quand tu as un enfant, tu assumes la responsabilité parentale. Ça veut dire que tu dis, c'est mon enfant, je dois protéger cet enfant-là contre tout. Cet enfant, même si son père ne peut pas s'en occuper, il a le droit de connaître son père. Où est le père de cette petite fille? Où est le père de cette petite fille? Cette petite fille demandera un jour son père. Voilà les raisons qu'il faut que cette petite fille est encore là-bas. Parce que si cette petite fille vient, avant même qu'elle ait ses 18 ans, si jamais elle vient en France, avant qu'elle ait ses 18 ans, elle va demander justice. Elle va demander à connaître son père. Elle va demander pourquoi elle a été violée. Elle a demandé pourquoi sa mère prenait les clients pour la doigter et pour frotter leur bangala entre ses jambes.
Elle va demander, mais comment ça se fait que sa maman est là et elle n'a rien fait lorsque le petit frère, sa maman la violait. Elle va demander, mais comment est-ce que sa grand-mère était là et puis elle a laissé faire. Sans oublier que, sans savoir que sa grand-mère passait tout son temps à se droguer d'alcool. Elle passait tout son temps à se droguer d'alcool en attendant le premier client qui va venir pour lui donner 200 francs pour aller coucher avec lui. Exactement comme sa fille. Ne dit-on pas que telle mère, telle fille. Et voilà. Et c'est notre responsabilité de dénoncer ce genre d'état de la société. Et c'est ce que je fais. Et cette femme, elle est là. Elle s'appelle sans visage. Elle s'appelle tête de grand-mère. Elle est là. Toute crasseuse, sale, qui tape au moins une semaine sans se laver, en lâchant pou avec des brins de caca dans l'anus. Parce que, pilonnée par derrière, à longueur de journée, parce que même quand elle est indisposée, elle est obligée de partir chercher son argent en se prostituant. Et les gens, puisqu'ils n'aiment pas les coins indisposés, et elle n'a pas le matériel nécessaire pour arrêter ses menstrues, alors elle est obligée de donner derrière. Et les gens la baissent pas. C'est pas moi qui le dis. C'est l'une de ses collègues avec qui elle est allée sur terrain pour baiser un client. C'est elle qui a dit. Ils l'ont tellement baisé par derrière qu'elle a chié sur place. Le monsieur a mis dedans, elle s'est sortie avec caca. Et le monsieur dit, sortez, les a chassés. C'est pas moi qui le dis. C'est sa collègue avec qui elle est partie sur terrain. C'est elle qui le dit. Je ne suis pas là pour inventer des histoires sur les gens. C'est pas comme ça que je fais mes vidéos. Je fais mes vidéos dans la véracité. C'est notre responsabilité d'être propre. On n'a pas besoin d'imposer nos odeurs aux gens. Moi, par exemple, je suis témoin oculaire d'une immoralité, d'un crime contre moi. Cette femme m'a poursuivi pendant des heures à Saint-Phal, en France. Elle m'a poursuivi en lâchant derrière moi. Pou, pou, pra, pou, pra, pou, pra, pou, pra, pou, pra, pou, pra. Je courais, j'allais tomber dans la piscine et me noyer. N'eût été l'aide de Yaka Yaka. Que Dieu le bénisse d'ailleurs. N'eût été l'aide de Yaka Yaka. Je serais aujourd'hui noyé dans une piscine à coups de papou, 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 papou. Qu'ai-je fait? Mon crime, tout simplement parce que je suis propre, charmant, élégant, charismatique. Alors il faut me salir avec des prou, papou, papou. Qu'ai-je fait? Mon crime parce que j'ai un bangala bien dressé là où il faut. Alors elle avait tellement qu'un voix ma culotte. Elle a tellement envie de toucher le bangala qu'elle me poursuivait tout le temps à Saint-Phal. Heureusement, après, j'ai donné des instructions fermes à mes gardes de corps pour dire qu'il faut qu'on la maintienne à distance désormais. C'est notre responsabilité d'arrêter ça. C'est notre responsabilité d'arrêter les gens comme ça qui ont les corps d'hyène. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand on va en France, normalement quand on est en Côte d'Ivoire, on dit je vais aller en France pour travailler. Pourquoi aller en France pour travailler? Parce qu'il n'y a pas des opportunités de travail en Côte d'Ivoire. Tu vas en zone industrielle, c'est saturé. Tu vas attendre, on dit attendez, quand appelle, à l'appel, là, le gars est là-bas et puis il appelle. Gedegba Ignace, Mongei Gei, Zagoli Golier, Aboulaye Traoré, Youssou Fofana, il va faire l'appel jusqu'en... Et puis si tu ne vois pas ton nom, tu vas retourner. Pendant des semaines. Finalement, tu es découragé même, tu lui dis, je ne vais plus même en zone industrielle. Tu te lèves matin, tu t'as fait le tour de Yopougon, de 13-8, de Makori, de Plateau, d'Adjabé. Tu cherches ne serait-ce qu'un endroit pour laver assiette de caca. Et puis ils vont te donner 10 000 francs. Il n'y en a pas, tu ne trouves pas. Tu vas te balader jusqu'en... Tes petites tapettes que tu portes là, ça va se couper encore. Te voici encore, ça c'est un autre problème encore. Tu es obligé de chauffer couteau. Si tu as trouvé couteau, tu es obligé de chauffer ça pour coller ta tapette là. Parce qu'il n'y a pas de travail. C'est à cause de tout ça. Alors qu'il paraît qu'en France là-bas, il y a travail. Wow, tu peux laver WC de quelqu'un, on peut te donner un peu d'argent. Tu peux travailler chez quelqu'un, garder les affaires de quelqu'un, on va te donner l'argent. À Côte d'Ivoire, personne ne garde l'affaire de quelqu'un. Même les gens qui sont riches là, ils s'en vont prendre leur cousine au village pour venir garder leur enfant. Donc il n'y a pas de travail. Les blancs même là,
Ils prennent les filles, des prostituées là, pour faire chose, pour faire le travail à leur place. Donc, il n'y a même plus de travail. En France, tout cela. Tu arrives aujourd'hui, demain, tu peux travailler. Tu peux laver assiette. Tu peux essuyer WC. Tu peux garder l'enfant de quelqu'un. Tu peux tout faire. Tu peux balayer dans les rues. Tu peux même balayer à l'Assemblée nationale jusqu'à devenir même député. La France, ça donne les opportunités. Qui peut balayer à l'Assemblée nationale? Demandez à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La balayeuse de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Certainement que ça fait plus de 50 ans qu'elle est là-bas. Même petit poste, même parole, même elle n'a pas. Elle appelle tout le monde tonton, même ses enfants. Les enfants qui viennent aujourd'hui pour travailler là-bas, elle les appelle tanti. Tanti et tonton. Tellement les gens ne s'occupent même pas d'elle. Parce qu'on ne veut même pas. Si elle a fait erreur, puis elle a fait grève là-bas, d'abord, elle va se retrouver en prison, puis de la prison directement au village. Ce n'est pas comme la France. Alors qu'en France, tu peux nettoyer dans la chose, comme à l'Assemblée nationale là-bas. Tu peux nettoyer, puis dire je ne suis pas content. Hein, et puis faire grève, et puis il n'y a rien. Et puis après, même, tu peux devenir député. C'est à cause de toutes ces opportunités-là qu'on décide d'aller en France. Mais vous allez en France. Au lieu de travailler, c'est pour prendre car pour aller en Suisse, pour rester dans les vitrines, pour aller en brousse là-bas, pour vous faire baiser. Dans la saleté, là, j'ai vu une vidéo la fois dernière à la télévision. Mais ça me faisait vomir. Dans la saleté, là, les filles là vont faire l'amour là-bas. Tu vois le coin là-même, on peut même pas. On peut même, c'est-à-dire que mais, comment même tu peux mettre même pied là-bas, à plus forte raison même. Aller et puis te déshabiller là-bas. C'est pas possible, quoi. Mais les filles là sont courageuses. Vous prenez. Elle prend train, sans visage, prend le train, elle va en Suisse là-bas pour se faire pinailler dans la brousse là. On la met dans vitrine, comme poupée gonflable, comme dans un truc. Comment dire, genre, comment on appelle ça? Dans un truc d'exposition, on la met dans vitre et puis les gens choisissent. Ah oui, c'est celle-là, j'ai vu. Elle-même, souvent, elle reste là parce que son visage a fait que souvent, on est obligé de lui porter masque. Vous voyez les habits qu'elle porte et puis elle fait ses vidéos, les habits de plongeur, sont les mêmes habits là qu'elle porte quand elle est dans vitrine là-bas. Là. Et on lui porte masque. Elle a les masques là, elle a ça. Pour ne pas qu'on voit son visage. Parce que quand les gens voient son visage, on ne veut même plus regarder. Si ce n'est pas en Suisse, c'est Belgique. C'est là-bas qu'elle a connu beaucoup de filles qui vivent en Belgique et en Suisse là-bas. Elle a connu plein, elle a plein de camarades prostituées comme elle, en Suisse et en Belgique. Est-ce que vous comprenez? Après avoir fait tout cela, ce n'est pas nouveau pour elle, puisqu'elle a fait son Maroc. C'est dans ça qu'elle a volé l'argent de quelqu'un, et puis elle a traversé, elle allait en France. Là. C'est dans ça, dans la prostitution, là, elle a volé l'argent de quelqu'un, puis elle a traversé, elle allait en France. Là. Elle et sa boule de neige qui est à côté d'elle. Truc est balèze comme ça, avec plein de caca dans le ventre. Là. Les deux là, baisse femme, baisse garçon. Mais il faut que ça s'arrête. Tu es en France, il faut travailler. C'est prostitution. Maintenant, pour faire bonne couverture, comme elle sait que dans la prostitution, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il faut être un peu joli. Il faut être propre, il faut être joli. Comme elle n'a pas tout ça là. Alors, elle préfère faire ça maintenant dans un endroit clos, que j'ai appelé un coin d'exhibition. Dans un endroit clos, où on a mis des barres de fer, et puis elle peut frotter son clito sur le fer là-bas. Elle peut frotter son clito sur le fer là-bas. Le joueur va tomber là-bas comme singe, mais il paraît qu'elle est déjà tombée même plusieurs fois. Tout son corps là, ça lui fait mal tout le temps. Elle est là, vous la voyez comme ça. Tout son corps lui fait mal, parce que tout le temps elle tombe, on dirait Michelin. Boum, 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 boum. Elle ne connaissait pas le boulot. Mais maintenant, même singe même peut s'entraîner chez elle. Même singe peut s'entraîner chez elle. Parce qu'elle prend ça avec un pied seulement. Elle prend ça avec ses étoiles. Elle prend ses étoiles comme ça. Et puis elle attrape là comme ça. Piou! Elle a fini avec ça. Et on la prend, on dit, ok, est-ce que, c'est quoi, c'est demoiselle, c'est une fille, qui tu es? Je peux te donner 20 euros là, on peut partir là, de la chambre. Elle lui donne. Puis elle, ça va, piou, piou, dans sa saleté là. Le gars, il n'a même pas conscience que c'est un truc sale qui est là comme ça. Saleté avec plein de maladies en elle. N'importe quoi. Et il faut que le monde mette fin à ce genre de truc. Voilà une autre encore. Qui vient mentir aux yeux du monde parce que les gens lui ont dit, non, moi, mes enfants sont restés à moi. Toi, tes enfants sont restés à toi. Tu es sûr que toi, tu es Julien et resté à toi. Donc, quand on t'a rapatrié en Côte d'Ivoire, toi, tu étais où? Ma part. Quand toi, on t'a rapatrié en Côte d'Ivoire, Julien dormait où? Chez qui?
Tu allais faire des trucs, non? J'y ai été un mois, il a grandi un mois. Tu as fait combien d'années en Côte d'Ivoire quand t'as rapatrié? C'était dans les années 2000. Julien était déjà né. Un enfant de 5 à 7 ans. Parce que Julien est né vers 96-97. Et toi, on t'a renvoyé dans les années 2000 et quelques. Donc, il avait autour de 5 à 7 ans. Quand toi, on t'a rapatrié, il était où? Il n'était pas avec l'assistance sociale? C'est pas avec l'assistance sociale il était? Que Julien est toujours resté à moi. Tu crois que tes mensonges que tu fais sur les réseaux sociaux, là, ça, à moi, tu as fait ça? Au moment où toi, tu portais Massi, encore, tu vois, quand t'as rapatrié, là, tu n'as pas dit que tu t'es allé encore en France? Tu n'as pas dit que tu t'es allé quand t'as rapatrié pour la Côte d'Ivoire? Toi, tu étais où? Au moment où tu portais Massi pour aller à l'église, là, Julien était où? Tu es parti à lui en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es parti à ton bébé en Côte d'Ivoire quand t'as rapatrié? Non. Julien était en France là-bas. Il était de la main de qui? Faut venir dire. Julien était en France là-bas. Faut venir dire. Mais je ne sais pas quoi. Vous là, on vous a ramassé dans la poubelle ou quoi? Parce que vous êtes toutes des mythos, des nymphos. Des mythos, des nymphos. Toi, tu dis que tu es devenue lesbienne et que tu es lélé et que tu aimes ça. C'est ce que tu nous as toujours bombardé ici et que c'est ton choix de vie. Mais on se rend compte, la dernière fois que tu as fait ta vidéo, on s'est rendu compte que c'est pas une vie par choix. C'est par obligation. Tout simplement parce que tu ne gagnes pas garçon. Parce que tu dis que. Et puis si tu as eu garçon, s'il veut taper, il va te taper. Donc ça veut dire que c'est parce que garçon ne va pas vers toi que tu es lélé. Si garçon partait vers toi, tu allais devenir autre chose. Bon, moi, je vais te donner l'argent. Moi, je te dis, je prends l'engagement devant tous mes abonnés ici. Si toi, tu t'engages, tu fais une vidéo courte, pas longue, une petite vidéo de maximum 3 minutes, dans laquelle tu t'engages à être femme, et que désormais, tu vas porter talon, maxi, et puis camisole. Moi, je m'engage à payer les 4000 euros pour raffermir ta peau. Je prends l'engagement devant tout le monde ici. Si toi, tu prends l'engagement de porter, et puis c'est un contrat, c'est-à-dire que si je paye ça aussi, là, tu ne redeviens plus, tu ne dis plus je suis pas. Parce que je sais que si je porte ça, il y aura toujours des gens comme les Magadende qui vont toujours vouloir te baiser. Donc moi, je vais prendre l'engagement de payer les 4000 euros pour qu'on te fasse les trucs là. Ça se fait au laser pour faire répartir toute ta peau là, pour raffermir ton corps là. Et ton corps va redevenir bien. Moi, je fais ça. À une seule condition. Tes histoires de gnana pas là, faut laisser. Tes histoires de gnana pas là, parce que toi-même tu sais que tu aimes serait plus que gnana. Tu n'aimes pas gnana d'ailleurs. Mais comme ça te gratte, il faut que tu trouves des filles qui désœuvrées, qui n'ont rien à faire. Après, quand toi tu m'en dis, tu prends dans ton argent, tu prends au moins 20 euros, 30 euros, et puis tu payes drogue à des filles qui vont venir te laper. Et ça, cette vie là, elle peut pas être bénie par Dieu. C'est pourquoi tu as tous les malheurs. C'est pourquoi c'est trop dur pour toi. Donc si tu prends l'engagement ici de bien te comporter comme Dieu t'a créé, de porter maxi, talon et camisole, moi je vais prendre l'engagement de payer les 4000 euros pour qu'on raffermisse ton corps. Ça se fait au laser. En un jour, c'est fait. Si tu veux, renseigne-toi et puis tu donnes ta réponse, tu fais ta vidéo après. Et je ne le dis pas pour Facebook. Moi, je suis pas dans ça. Je veux vraiment aider toutes les femmes qui se sentent obligées d'être des lélés. Je veux vraiment vous aider. Je ne suis pas ONG, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas ONG, mais je veux vous aider à rêver mieux, à avoir de l'espoir. Quittez dans ça. Parce que ce n'est pas possible. Tu es un garçon, tu as envie d'épiler un garçon, mais comme ton corps fait qu'on te rejette, alors tu dis je suis l'aîné. Ce n'est pas normal. Même la plus vilaine femme sur terre, elle a un garçon. Donc, quel que soit ce que tu as, tu auras toujours un don pour toi. Seulement, il faut être propre. Parce que même si tu es joli, que tu n'es pas propre, il n'y aura pas de garçon. Il faut que tu sois appétissant. Il faut que tu sentes bon. C'est tout ça là qui attire le garçon. Donc moi, je vais raffermir la peau là. Et puis toi-même, tu vas te battre maintenant. Tu vas aller travailler. Parce que quand on vient à Paris, c'est pour travailler. Quand on vient à Paris là, vous êtes toutes des paresseuses. Vous attendez social. Vous êtes là, vous êtes des paresseuses à Paris. Là-bas, vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez rien faire de vos 10 doigts. C'est pourquoi vous avez des problèmes de papier et c'est pourquoi vous n'évoluez pas. Va travailler et tu vas gagner un peu d'argent. Ça va te permettre d'acheter du parfum. Tu vas voir que quand tu vas passer, il y a un garçon qui va retourner sa tête pour voir. La fille, elle sent bon. Hein? Attends, voir clair dans son affaire. Mais tu sens mauvais. Quand tu passes là,
On dirait adjuvant. Quand tu passes, on dirait manioc fermenté. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Il faut que tu changes. Si tu changes, tu vas voir que les choses vont changer. Sinon, moi, je suis prêt à payer les 4000 euros. Je prends l'engagement devant tout le monde. Je suis prêt à payer les 4000 euros. Je n'ai pas dit en deux temps, trois temps. Je paie ça un coup. Mais moi, je ne te donne pas l'argent là. Moi, je paie ça à l'hôpital là-bas. Ceux qui vont renfermer ta peau. Je n'ai pas dit que j'allais te donner l'argent puis tu allais aller boire coutoukou. Jamais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, je vais payer à l'hôpital là-bas. Moi, je prends contact avec l'hôpital. Je paye tous les frais, tout et tout. Et puis, toi, tout ce que tu as fait, c'est de te lever, aller. Et puis, ils vont te faire le laser, là, les trucs. Et puis, ça disparaît. Vous êtes là, vous êtes paresseuse là-bas. Toi, tu dis non, moi, mon enfant a grandi avec moi. Non, mon enfant. Tu as menti. Vraiment, combien de temps tu vas durer dans le mensonge? Alors que les gens sont témoins. Hein? Des gens sont témoins, ils ont vécu ça avec toi. Tu crois que qui me raconte? Qui me raconte ta vie? C'est des gens qui sont très proches de toi. Ou bien tu crois que je me tape la tête? Moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je ne me tape pas la tête. Moi, je fais mes classes. Depuis un certain temps, est-ce que tu m'as vu ajouter quelque chose dessus? Quand je n'ai pas autre information, je n'ajoute pas dessus. Même Douguet, quand je l'ai cité, maintenant, jusqu'à présent, tu n'as pas encore parlé de lui. Quand j'ai cité Douguet, lui-même, il a fait vidéo, il dit, il va s'exprimer dessus. Mais il n'a pas infirmé. Il n'a pas infirmé ça parce qu'il sait que c'est vrai. Tu couchais avec Douguet. Tu as couché aussi à Maga Dene. Pour Maga Dene, au moins, tu as reconnu ça. Que je suis femme, non? Oui, j'ai rien, non? Alors, s'il a baisé, ça fait quoi? Si moi-même, j'ai garçon, elle va baiser. Mais si tu as reconnu, moi, c'est pas pour moi. C'est toi qui dis que tu n'avais pas rien. Et puis, dans ta vidéo, tu avais dit que toi, tu es né avec Nyeré. Et puis, tu as serré aussi. Donc, tu es né avec Nyeré. Serré là, qui t'a donné? C'est Devlé qui t'a donné ça. C'est le démon qui t'a donné serré. Parce que Dieu t'a donné Nyeré. Il t'a pas donné serré. Donc, démon maintenant est venu te donner serré. C'est pourquoi tu as sacrifié ton fils. Hein? Démon est venu prendre sa part. Parce que quand il t'a donné serré, certainement que vous avez fait un pacte. Certainement que vous avez fait un pacte. Sinon, quelqu'un ne peut pas te donner serré pour rien. Il va te donner serré pour baiser qui? Toi, tu vas prendre serré pour baiser les gens. Chez nous, chez les Dida, quand femme baise son mari, c'est une sorcière. Quand femme baise son mari, c'est une sorcière. Ça veut dire que tu ne peux que le faire en sorcellerie. En sorcellerie, tu deviens garçon puis tu baises ton mari. Donc toi, vis-à-vis, toi, tu deviens garçon pour baiser tes camarades femmes. Là, tu es une sorcière. Il n'y a que sorcière qui peut baiser sa camarade femme. Connerie, là. Une bande de pourriture, vous êtes sur Internet à vous emmerder les gens. Vous avez loupé le nord, vous avez loupé le sud, l'est, l'ouest. Et vous êtes là, vous êtes sans avenir. Vous passez votre temps à demander et à racketter. Vous n'avez rien. Voilà l'autre là qui s'en va prendre sa maman. La vieille qui est fatiguée va prendre sa maman et sa fille. Et pourtant, elle dit qu'elle boit champagne, elle dit qu'elle vit. Elle s'en va prendre son enfant et choses qui reste dans un cas plus de 72 heures avant d'arriver au Togo en achetant du toutounou. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas, ne serait-ce que même 100 euros pour habiller son enfant. Regarde, mon petit garçon qui vient de naître, Ethan, sa chaussure là, sa Jordan là, ça coûte $150. Va sur Internet. Mon petit Ethan qui vient de naître là, il a 6 mois seulement. Le 11, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ça veut dire qu'il a 7 mois aujourd'hui exactement. Et aujourd'hui là, l'enfant porte une chaussure de $150. Son frère, son grand frère, la même chose, il porte une chaussure de $150. Toi, tu es là, tu gueules sur Facebook, au lieu d'aller travailler, hein, ne travaille pas, reste sur Facebook, et puis il faut passer ton temps à manquer du respect aux gens, passe ton temps à mettre ta bouche sur des gens qui peuvent te nourrir pendant 1 an, pendant 5 ans. Mets ta bouche sur eux pendant que tes parents sont en train de souffrir, et c'est toi qui cherches parents des gens. Ma mère ne travaille pas, la façon dont je m'occupe d'elle, c'est que je lui donne, elle peut prendre ça pour nourrir ta mère et ton enfant là-bas. Dans Poël, là, ce que moi je lui envoie là. Ma mère, toi chose, comment elle est? Ma part. Toi, ma part, tu dis, tu cherches maman. Je prie Dieu que tu la rencontres vraiment. Le jour où tu as rencontré ta maman là, ce que tu as envoyé, et puis elle va demander si ta maman vit, elle va vous donner l'argent, vous allez aller manger. Ma maman va vous donner l'argent. Elle ne travaille pas, elle est vieille. Mais l'argent que je lui envoie là, elle va prendre dedans, et puis elle va vous donner. Et puis elle va dire, venez prendre à tout moment si vous voulez. Allez-y, prendre l'argent, maman. Allez-y voir Djoko, il va vous montrer où est maman. Elle va vous donner l'argent, vous allez manger un peu. Bande de balheureux, bande d'affamés. Cette maman, vous pouvez parler? Vous pouvez parler de ma maman. La femme qui peut vous nourrir. Toi, tu ne sais pas que pour avoir l'âge de ma maman, il faut être béni. Toi, ta maman est morte. Toi, ma part, toi-même, tu es venu dire sur Internet que ta maman est morte. Parce qu'elle est maudite.
La mienne vit parce que je suis béni. Toi, tu es maudite, c'est pourquoi ta mère est morte. Moi, je suis béni, c'est pourquoi ma mère vit. Tu comprends maintenant? Et elle vit, elle danse, elle boit, elle rit, elle est encore avec moi. La mienne, quand je la vois, je suis heureux jusqu'à fatiguer. La tienne, elle est où? 6 pieds sous terre. Elle a pourri déjà. Elle est devenue le sable déjà. La mienne vit. Et c'est la mienne que tu cherches. Va d'abord enterrer. C'est-à-dire que va nettoyer près du cercueil, près de la tombe de ta mère d'abord. Avant de parler de ma mère. Moi, la mienne vit. La tienne, elle est décédée. La mienne, paraît qu'elle a 83 ans. Les gens ont fait le calcul, on dit 83 ans. Et ça va parce que sa mère a duré. Sa mère a fait au moins 129 à 130 ans. 129 à 130 ans. Sa mère, la mère de ma mère, dans leur famille, là, eux, ma mère, dans leur famille, là, ils durent trop. Elle, sa mère, demande, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça là-bas. Même lui, Jacob, va, il faut demander à Jacob, on te dit. Donc, ma mère ne va même pas mourir aujourd'hui. Ni aujourd'hui, ni demain. Sa mère a fait 20, 129, 130 ans parce que les gens ne pouvaient pas situer l'âge de sa mère. L'âge de la mère de ma mère. Les gens ne pouvaient pas situer son âge réellement. Ils ont pris ce qui était sur ses papiers. Elle est morte à l'âge de 129 ans, 130 ans. Et voilà. C'est là, à 83 ans déjà, regarde comme elle est Dieu. C'est un peu les gens comme vieux Blackler qui ne vieillissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont vieux, mais ils sont vieux, mais ils sont toujours cli-cli-cli. Ils n'ont pas besoin d'aide. Ils font tout eux-mêmes là. C'est comme ça, ma mère. Tu vois, vieux mec, là, tu l'as déjà vu avec Khan en train de trébucher. Pourtant, il a plus de 100 ans. Voilà, ça, c'est les gens comme ça, ma mère. C'est comme ça. Elle est là, elle va encore nourrir ta famille. Toi, sans visage. Va dire à ta maman et ta fille de venir. Elle va leur donner un peu. Dans ce que je donne là. Dans ce que je donne à ma mère, elle va prendre à vous nourrir. Et puis, ça ne va même pas la déranger. Elle va continuer de vivre. À bien vivre encore, bien manger, bien faire choses, acheter ses pains, des trucs, tout et tout, sans problème qu'on nourrit. On vous dit d'aller travailler en France là-bas, mais il y a travail, vous faites quoi? Vous voulez papier, on vous a donné papier. Toi, tu dis que tu vas être réfugié, tu veux papier, on t'a donné papier de réfugié. C'est pour travailler. Au lieu d'aller travailler, surveiller les enfants comme vous, comme vos faux amis en France là-bas, vos amis se lèvent le matin, vont surveiller enfants. Vos amis se lèvent le matin, vont dans les maisons des gens pour nettoyer. Et puis on les paye. Vos amis se lèvent matin pour aller travailler dans les magasins. Vos amis se lèvent matin pour aller travailler dans les écoles. Vous êtes là matin, quand vous levez, c'est pour mettre vidéo. Alors que vous ne savez pas parler français, vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire. Et c'est vous qui mettez vidéo pour renverser Molière dans sa tombe. Alors que vous êtes en France, vous pouvez aller payer, c'est même gratuit. Vous pouvez aller apprendre à lire et à écrire. Mais vous ne savez pas lire et écrire, pourtant c'est gratuit. Vous êtes en France là, où tout le monde parle français. Et vous êtes là, vous machetez la tête de M. Molière dans sa tombe là-bas. Et vous faites que ça, toute sa famille est aigrie en ce moment. N'importe quoi. Regardez, vous devenez tous des sorciers. Regardez, c'est la même chose comme Djeko. En 1985, son père est mort. Il est devenu aigri, il en veut à tout le monde. Comme vous connaissez, allez-y à Guilherie là-bas. Demandez à n'importe qui vous allez trouver à Guilherie. Parlez de Djeko, ils vont vous dire qui est Djeko. Il a fait parler à tout le monde dans le village. Il n'a pas d'amis dans le village. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de confidents, il n'a personne dans le village. Même ma propre tante qui est dans le village, il ne parle pas avec elle. Les enfants de ma propre tante, il ne parle pas avec elle. Il ne parle pas avec les enfants de ma propre tante. Elle a fait que des filles. Il ne parle pas avec elle. Allez-y lui demander. Pendant que moi je faisais les funérailles, du mari, de choses comme elle est, de ma tante. Lui, il était où? Même 5 francs, il n'a pas donné. Parce qu'il n'a rien, il n'a toujours rien. Il est l'aîné. Mais il n'a rien, il n'a jamais rien eu. D'accord. C'est comme ça, il a échoué. C'est-à-dire que toute sa vie, il n'a jamais rien eu. Il dort dans la cuisine que ma maman a construite. Jusqu'à 38 ans après, c'est dans la même cuisine que ma maman a construite. C'est dedans, il dort. Et c'est comme ça, vous êtes. Les gens qui n'ont pas réussi, allez à toi par exemple, tu as été battre avec ton frère pour un truc, un magasin que lui-même il a construit dans la cour familiale. Tu l'as mis en prison pour ça. Un magasin que lui-même, c'est-à-dire que vous devenez toutes aigris et tous aigris. Parce que vous avez échoué, parce que vous n'avez pas réussi. Et vous êtes tous bizarres. Quand on regarde vos visages, on sent que c'est le démon incarné. Regarde, voilà, sans visage, tu regardes. Elle a une malformation depuis la naissance et elle s'inquiète pas, hein. Elle croit que c'est normal. Elle a un visage d'arrière, grand-mère. Mais ça ne l'inquiète pas. Elle pense que c'est normal. C'est une maladie. On ne peut pas naître d'une jeune femme et puis avoir un visage de vieillard. Un visage
On dirait la sorcière de Shaka Zulu. C'est pas possible. Ça peut pas se faire. Tu peux pas avoir le visage de la sorcière de Shaka Zulu pendant que ta maman est jeune. C'est pas possible. Ça veut dire que tu es malade, tu es né avec une maladie, mais va la soigner. Ça se soigne, ça se guérit. Je sais pas comment ça se guérit, mais je sais que ça se guérit, ce genre de truc, parce que cette maladie a un nom. Tapez sur Google, vous allez voir. Les gens qui naissent vieux, hein, qui sont jeunes, mais ils naissent vieux là. Ça a un nom. Allez-y voir sur Google. Allez-y voir sur Google. Mais vous avez créé un Boeing, une société de frustrés et de vauriens, de paresseux. Dès qu'on ici, toi, ma, pas ici, tu vis de mendicité, partout ça à toi on donne. Toi aussi, chose comme des gens sans visage, tu es là aussi, tu es toujours en train de racketter. Tu vois sac de ta camarade, faut donner. Tu es en train de courir après Emma, longtemps ici pour un sac. Tu es toujours en train de prêter des slips, tu es toujours en train de tirer valise. C'est que vous êtes. Moi, je ne sais pas comment Dieu fait les choses, quoi. Et puis, c'est vous, cette pourriture-là, à qui Dieu a donné la chance d'arriver là où les gens réussissent. Dans France, là, les gens viennent en France pour réussir. Ils ne viennent pas en France pour aller se prostituer à Genève, pour aller se prostituer en Belgique. Les gens viennent en France pour réussir. Mais c'est à vous, là, que Dieu a permis que vous arriviez en France. Et vous êtes là. Et it's a waste of time. C'est une perte de temps. Perte de temps, vous êtes là, vous ne faites rien de votre vie, vous avez échoué en France là-bas, vous avez échoué au pays, vous n'êtes même pas capable de réfléchir pour voir comment est-ce que vous allez au moins vous acheter, ne serait-ce qu'une maison un jour, ou bien alors construire une maison chez vous au pays. En tout cas, ça dépend de vous, c'est comme vous voulez. Et vous êtes la misère incarnée, et c'est vous qui parlez trop sur les réseaux sociaux. Et pourtant, quand on va vous demander, vous n'avez rien. Et pourtant, quand on va vous demander, quand vous allez finir de raccrocher votre téléphone, même pour manger, même vous n'avez pas. Affamé jusqu'à chose. Vous êtes maintenant dans le téléphone en train d'appeler des gens pour demander s'ils peuvent vous donner à manger. Ah, tu vois, etc. Toi, tu es en France. Toi, ma part, il faut nous dire, ça fait combien d'années tu es en France? Ça veut dire qu'au moment où tu étais en France, moi, j'étais encore à l'université. Au moment où toi, tu venais certainement, même peut-être même avant, peut-être que j'étais encore au collège, lorsque toi, tu venais en France. Mais rien, comment tu es? Moi, je viens d'arriver aux États-Unis. Ça fait 10 ans que je suis là. Rien, qui je suis? D'abord, ce que j'étais au pays. Avant même de venir aux États-Unis. Et puis, rien, toi. Ça ne fait pas honte? Ça ne te fait pas honte? Une femme de 55 ans. Une femme de 55 ans qui est là toujours en train de réduire son âge. Parce que, pourquoi tu réduis son âge? Tu as honte de ton échec. Tu es obligé de dire, j'ai 45 ans alors que tu as 55 ans. J'ai 45 ans alors que ta fille a 35 ans. Tu es obligé de dire, j'ai 45 ans parce que les gens vont se demander, mais attends, une femme de 55 ans, tu n'as ni foyer. Ça veut dire que tu n'as pas de mari. Tu n'as ni foyer, tu n'as aucune réalisation. Et puis tu es là sur Internet en train de manquer du respect à tout le monde. Comment ça se fait? Ça, c'est la question que les gens se posent. Et donc, tu ne veux pas qu'on sache que tu as 55 ans, tu dis, tu as 45 ans. Mais soit, à supposer même que tu es 45 ans. On t'a dit qu'à 45 ans, on ne réalise pas. Tu crois qu'à 45 ans, on passe sa vie à racketter, à quémander, à mendier? Non. À 45 ans, on est une femme plein. On a des réalisations. On a des boutiques, on a des maisons, on a des trucs, on a tout. À 45 ans, on ne vient pas lutter un petit magasin de son grand frère, un petit magasin qu'il avait laissé, qu'on avait transformé en cave, et après c'est tombé, et la cave a été sponsorisée par des gens sur Internet. Et après, la cave n'existe plus, alors on prend son frère, on le met en prison. C'est bête. C'est pourquoi quand on vous dit que tout se fait avec l'intelligence de la vie, là. Tu ne peux pas évoluer, tu ne seras rien dans la vie si tu n'es pas, si tu n'es pas intelligent. Tu ne feras rien, tu ne seras rien dans la vie si tu n'es pas instruit. C'est très important. On ne t'a pas dit d'aller avoir bac plus 5. On ne t'a pas dit d'aller avoir bac universitaire, niveau universitaire. On dit d'être instruit un peu. Savoir lire, écrire, approfondir ses connaissances. Être capable de faire un discernement. Et ça va t'aider toi-même dans la vie. Ça va te permettre de comprendre l'essentiel. Toi, l'autre, tu dis tu as, je ne sais pas quel âge tu dis tu as. Toi, sans visage. Je ne sais pas quel âge tu dis tu as. Mais quand toi-même, tu regardes ton âge. Et puis, tu regardes tout ton parcours qui est sans gloire. Tu ne vois pas qu'il était temps de changer la donne. Mais tu continues dans la bêtise. À quel âge tu vois, tu vas arrêter? C'est à 55 ans aussi, tu as continué jusqu'à ta vieillesse. Mais le monde évolue. Bon, ce que toi tu fais là, tu crois que ça te rapporte? Et tu crois que ça te rapporte quoi? Ce que toi tu fais aujourd'hui là, combien tu penses que tu gagnes? Tu vois non? Malgré la prostitution que tu as fait en Côte d'Ivoire, zone 4,
dans toute la Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Togo, aux choses comme des gens, dans tous les coins où tu es passé, en Mauritanie, dans tous les coins où tu as donné ton petou là, ton petit sale là, avec ton anus gros là, voilà. Partout où tu as donné ça, jusqu'au Maroc, où tu as volé l'argent, jusqu'à tu es venu en France, où tu es allé en Suisse, en Belgique, tout ce que tu as fait là, quel est le bilan de toutes ces années? Ton yen t'a rapporté quoi finalement? Combien ça t'a rapporté? Ça t'a permis de réaliser quoi? Au contraire, tu es maladive, plein de maladies dans ton ventre. Voilà ce que ça t'a rapporté. Tu ne vois pas qu'il est temps d'arrêter et puis de se soigner sérieusement pour avancer? Tu ne trouves pas que le bilan, quand le bilan est négatif, il ne faut pas continuer dans la bêtise. Parce que tu es en train d'avancer en âge. Et si tu veux être influenceuse, il faut commencer par remédier à ta santé faciale. Parce que ta face est malade. Il faut déjà commencer par changer ton visage. C'est-à-dire qu'aller voir un médecin pour voir si on peut remédier à cela. Parce que ça, tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, être influenceuse avec un visage pareil. Jamais. Ça, crois-moi sur parole. Parce que je n'ai pas encore vu, depuis que je suis né, même avant que je ne naisse, je n'ai pas encore vu, et mes grands frères, mes grands soeurs n'ont pas vu, quelqu'un qui a un visage comme toi et qui est devenu la princesse de la beauté ou la princesse du charme sur les médias, dans les médias. Non. Personne n'a jamais réussi ce truc-là. Et ce n'est pas toi qui vas réussir ça. En plus, illettré, non, là, c'est grave. Même ceux qui sont instruits n'ont jamais réussi ce challenge. Ce n'est pas toi qui n'est pas instruit et qui est illettré, et puis en plus qui a plein de plaques sur le corps comme une hyène, c'est pas toi qui as réussi là où tout le monde a échoué jusqu'à présent. Non, c'est pas possible. En plus, il fallait être propre. Tu n'es pas propre. Et puis en plus, cherche-toi un peu d'argent pour aller faire coudre ton anus, c'est mieux. Ça va t'éviter de lâcher un peu et de faire des concours de lâche. Maintenant, si tu veux, je ne sais pas si c'est terre, s'il y a concours de lâcher, po, s'il y a concours de lâcher, je te jure, va tenter ta chance, tu pourras réussir. Sur ce, moi, je vous laisse. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao.